Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Entre complots, croyances et véritables sciences, les extraterrestres attirent et passionnent. Mais aujourd'hui, penchons-nous sur 5 théories peu réalistes, mais très intéressantes. Voilà, c'est le moment où je mets une transition. Théorie numéro 1. La première théorie, l'Europe, c'est la paix. La première théorie sur l'Union Européenne, qui vient à l'esprit de beaucoup de monde, car répétée comme un leitmotiv et un réflexe pavlovien par les politiciens, est « L'Europe, c'est la paix !» Mythe ou réalité? Tout d'abord, à ceux qui disent que c'est grâce à l'Union Européenne qu'on n'a pas eu de guerre en Europe depuis 1945, eh bien c'est faux. De nombreux pays de l'Union Européenne ont été en guerre après 1945, et le seront encore actuellement. Et même l'Union Européenne elle-même a participé à des guerres, comme le vote du Parlement Européen contre la Libye de Kadhafi en 2011. Et ce qui empêcha une troisième guerre mondiale entre l'OTAN et l'URSS durant la guerre froide, ce n'est pas les règlements de la commission Thorn sur la taille des frigos, ni sur les quotas de beurre, mais c'est l'équilibre de la terreur entre les armes nucléaires de l'OTAN et les armes nucléaires soviétiques. Il faut donc préciser, quand on dit « l'Europe, c'est la paix », qu'il s'agit en fait de la paix entre les pays membres de l'Union Européenne. Mais dans ce cas, on peut tout aussi bien affirmer que la Yougoslavie, c'est la paix, ou l'OTAN, c'est la paix, ou l'URSS, c'est la paix, car il n'y a pas eu de guerre entre les Serbes et les Croates pendant tout le temps de l'existence de la Yougoslavie, ni de guerre entre le Canada et les États-Unis, parce qu'ils sont membres de l'OTAN, ni de guerre entre la Russie et le Kazakhstan en URSS. En effet, il n'y a eu aucune guerre entre les peuples et les nations constitutives de ces fédérations et alliances militaires. Mais creusons le sujet de l'Europe, c'est la paix. L'Union Européenne a-t-elle vraiment pour but d'assurer la paix? Y avez-vous déjà réfléchi? Car les traités européens disent clairement que la politique diplomatique et militaire de l'Union Européenne est soumise à celle de l'OTAN dans l'article 42 du traité de l'Union Européenne. Et tous les pays qui sont entrés dans l'Union Européenne sont d'abord entrés dans l'OTAN. D'ailleurs, avant le traité de Rome du 25 mars 1957, et comme une suite à la déclaration Schuman du 9 mai 1950, le premier traité européen négocié à partir de septembre 1950 et ratifié par la RFA et le Benelux le 27 mai 1952, était la Communauté européenne de défense, donc une alliance européenne militaire, sous bannière otanienne. Et c'est pour cela qu'elle a finalement été rejetée par le général de Gaulle et le Parlement français le 30 août 1954. Et depuis cet échec, à chaque fois qu'un politicien veut relancer l'Europe, il parle de relancer la Communauté européenne de défense, c'est-à-dire une alliance militaire. Mais peut-être que quand ces politiciens proclament « l'Europe, c'est la paix », peut-être font-ils plutôt référence à leur paix d'eurodéputés ou au bakchich qu'ils reçoivent des lobbyistes à Bruxelles. Bon, par contre, j'arrive pas à savoir si cette théorie, c'est vraiment un truc de ouf ou si c'est de la grosse merde. Bon, la théorie numéro 2 serait-elle plus plausible? La seconde théorie, l'Europe a été créée par la CIA. Le journaliste Eric Branca révélera dans l'article De Gaulle, Monet ou le duel du siècle, dans la revue Espoir numéro 117 de novembre 1998. Ce qu'ignore alors De Gaulle, c'est qu'à Alger, même Monet a pris le parti de le combattre. Et avec quelle violence? Dans une note ultra secrète envoyée au secrétaire d'État Harry Hopkins le 6 mai 1943, il écrit à propos du futur libérateur de la France « Il faut se résoudre à conclure que l'entente est impossible avec lui, qu'il est un ennemi du peuple français et de ses libertés, qu'il est un ennemi de la construction européenne, et qu'en conséquence, il doit être détruit dans l'intérêt des Français. » De Gaulle, détruit dans l'intérêt des Français ou dans celui des Américains auxquels Monet adresse ses fortes pensées? À Roosevelt, le même écrira le 5 août suivant « Il n'y aura pas de paix en Europe si les États se construisent sur la base de souveraineté nationale. Ils devront former une fédération qui en fasse une unité économique commune. » Contrairement à Monet, qui pense régler la question allemande en l'internationalisant,
Il mourra persuadé d'avoir empêché par ses actions toute réunification ultérieure, etc. Après la libération qui s'appelle dans les livres d'histoire américains Invasion of France, François Roth, historien des guerres franco-allemandes de 1870-1871 et de 1914-1918, avait fait paraître en 2008 chez Fayard une grande biographie sur Robert Schuman. Sur plus de 650 pages, dont presque 100 pages de bibliographie et d'index, Roth apporte une foule de documents nouveaux qui lui ont permis de revisiter la vie de Robert Schuman. La genèse de la déclaration Schuman. La façon dont François Roth relate la genèse de ce qui allait devenir le 9 mai 1950 la déclaration Schuman tend à montrer que ce n'était pas Schuman lui-même qui en prit l'initiative. Lors d'une réunion informelle à Washington en septembre 1949, entre les chefs de la diplomatie américaine, Dean Acheson, britannique, Ernest Bevin, et française, Schuman, sur l'avenir de l'Allemagne, l'Américain Acheson demanda à Schuman, qui a une grande expérience de l'Allemagne, de faire des propositions, de définir un projet sur l'avenir de l'Allemagne. Schuman accepte cette mission. Adenauer fait en novembre une ouverture. Contre l'arrêt des démontages des usines, il propose la participation des capitaux français aux entreprises allemandes et l'entrée de la RFA dans un ensemble économique où elle serait associée à la France, à l'Italie et au Benelux. Schuman pressent que cette solution de la question allemande devra avoir pour cadre l'Europe, mais il n'a encore rien de concret à proposer, d'autant plus que les relations avec l'Allemagne se détériorent à cause de la Sarre. Le 10 mai 1950, date à laquelle le Conseil Atlantique doit se réunir à Londres pour discuter de l'Allemagne, est sa date butoir. C'est dans cette phase difficile que Schuman reçoit une proposition de Jean Monnet, le commissaire général au plan, car lui-même n'avait pas d'idée personnelle et ses services n'avaient rien proposé. Le 1er mai 1950, un texte de Monnet lui est soumis, pour lequel Schuman assume la responsabilité politique sans trop communiquer avec ses services. Le texte est transmis à Adenauer, qui l'accepte, moins pour le projet charbon-acier que pour la reconnaissance de la légalité des droits de la RFA. Les Américains l'approuvent également. Le 9 mai 1950, Schuman va devant la presse, lit son texte et quitte rapidement la salle. La mise en commun des ressources stratégiques, la création d'une haute autorité commune indépendante des gouvernements, la perspective d'une fédération européenne laissent d'aucuns médusés. Le lendemain, à la réunion de Londres, les Britanniques, qui n'ont pas été mentionnés dans la déclaration, se sentent exclus. Aucune mention n'est faite de la déclaration de Schuman. L'opinion publique allemande, par contre, est satisfaite. Le projet de Schuman est perçu comme un projet de paix. Le monde industriel français se rebiffe, surtout en Lorraine, où Schuman est fortement critiqué et peine à être réélu en 1951. La négociation du traité de Paris, qui allait aboutir à la création de la CECA, avance cependant rapidement entre les six pays que sont la France, l'Allemagne, l'Italie et le Benelux, la Grande-Bretagne se tenant à l'écart. Il est signé le 18 avril 1951, moins d'un an après la déclaration, et il est ratifié au cours de l'année 1952. Le 10 août 1952, la Haute Autorité s'installe au Luxembourg avec Jean Monnet à sa tête. Malgré l'échec de la Communauté européenne de défense, qui se fracasse en 1954 entre autres contre l'écueil du réarmement de l'Allemagne, que l'Assemblée française refuse à cette époque, l'Europe économique et politique prend son envol. Quant à l'historien Raymond Poidevin, il rappelle que Robert Schuman a rencontré le secrétaire d'État, Dean Acheson, la veille de sa déclaration. Il est clair que pour sa politique européenne, Robert Schuman a pu compter largement sur l'appui américain. Washington pousse déjà à la roue lorsque Schuman entame le processus menant à la création du Conseil de l'Europe. À l'évidence, dans le problème des origines de la CECA, il faut tenir compte de l'attitude de Dean Acheson, qui pousse littéralement Robert Schuman à prendre une initiative. D'ailleurs, la veille même de la déclaration du 9 mai 1950,
le secrétaire d'État américain, est le premier homme d'État étranger à être mis dans la confidence. Il croit d'abord que cette proposition aboutirait à une sorte de cartel, solution que les Américains rejettent. Rassuré par Robert Schuman et par Jean Monnet, il fait connaître dès le 9 mai, avec l'accord du président Truman, l'intérêt sympathique des États-Unis pour le projet. Quelques jours plus tard, le président américain veut même voir dans le plan Schuman la démonstration du leadership français dans la solution des problèmes de l'Europe. L'appui américain se traduit aussi en gestes concrets lors des négociations relatives à la naissance de la CECA. Schuman a pu compter sur Washington pour exercer une pression sur Bonn et imposer au chancelier Adenauer des mesures de concentration. Il fallait en effet, dans l'esprit du ministre, que le démantèlement des grands trusts de la Ruhr soit un fait accompli avant d'envisager le statut de la CECA. On a vu que l'affaire de la CED a par contre provoqué bon nombre de frictions franco-américaines. Les négociations relatives à la CED ont souligné également tout le poids d'une pression américaine plus sensible souvent aux vœux d'Adenauer qu'à ceux de Schuman. En mars 1950, Schuman rappelle bien la cause principale de la tension entre Paris et Moscou. C'est la politique d'expansion idéologique et d'expansion politique qui caractérise le régime soviétique. Pour lui, l'accalmie du printemps 1950 n'est pas un prélude à la détente. Car, dit-il à Dinitchassen, Moscou se prépare en vue de nouveaux assauts. Et d'expliquer au secrétaire d'État américain qu'il convient de faire front contre la campagne de paix lancée par l'URSS. Robert Schuman considère que les puissances occidentales devraient mieux utiliser la propagande auprès de leurs opinions et auprès des satellites de l'URSS. Il ne suffit pas d'agiter une menace atomique qui inquiète l'Europe plus qu'elle ne la rassure. Cette conversation avec Dean Acheson a lieu la veille même de la déclaration du 9 mai 1950. Dans Politique et chrétien, Robert Schuman, par Raymond Poitevin, pages 108 et 109, et page 113. Les journalistes Christophe Deloire et Christophe Dubois écriront dans leur livre Circus Politicus, de l'une des 7 boîtes de l'IQ Collection, des archives de Stanford, une déclaration d'intention non datée, mais dont les recoupements permettent d'établir qu'elle remonte à 1950, établit clairement, quoique parfois de manière allusive, les objectifs et les moyens d'action. L'American Committee on United Europe a été fondé par un groupe de citoyens américains privés qui considèrent qu'un soutien organisé mais officieux du peuple des États-Unis envers l'idéal de l'unité européenne pourrait se révéler un facteur déterminant de la direction que prendra l'Europe dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce projet est clairement politique. 5 ans avant le traité de Rome, la déclaration d'intention signée par Donovan, Dulles et les autres énonce un triple projet d'un point de vue politique. Création d'un parlement représentant les États démocratiques et les peuples de l'Europe libre avec les pouvoirs effectifs de législation. Sur le plan économique, abolition des quotas douaniers intra-européens et du contrôle d'échange. Enfin, socialement, garantie uniforme des droits de l'homme et création d'une cour européenne pour les faire respecter. Il y a plus de 60 ans, l'Europe d'aujourd'hui. Au-delà du soutien moral, le comité accorde un soutien financier absolument nécessaire à des structures travaillant pour l'unité de l'Europe. À la lecture de ces documents, il apparaît noir sur blanc que cette émanation des services secrets américains a financé le mouvement européen, Rassemblement d'unionistes et de fédéralistes européens fondé en 1948. Les noms des présidents honoraires du mouvement européen figurent d'ailleurs sur la page de garde du document. Ce sont ceux des quelques pères de l'Europe, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, dans Circus Politicus, page 158-159. Les deux journalistes continuent en citant les propos de Constantin Melnik, conseiller pour la sécurité et le renseignement du Premier ministre Michel Debré de 1959 à 1962. Melnik témoigne: Dulles estimait avoir sauvé l'Europe
à travers les contacts avec les politiques. Et il me citait notamment le rôle de Schuman et Monnet. Oui, Schuman et Monnet avaient des liens avec la CIA. Le général en concevait de l'agacement. De Gaulle voulait que les contacts avec la CIA soient concentrés au niveau des services et que les gens de la CIA cessent de voir directement Monnet et Schuman. Dans ses mémoires, Jean Monnet ne cite jamais le prénom d'Allen, mais trois fois le nom de Dulles, car il fut un ami de son frère John Foster Dulles, secrétaire d'État d'Eisenhower entre 1953 et 1959. Monnet avait rencontré John Foster à la fin des années 30, lorsque le futur père de l'Europe travaillait pour la banque américaine Blair & Co., avant de créer la Bank America à San Francisco. Dulles, elle était l'un des plus brillants avocats de New York, et les deux hommes s'étaient liés d'une profonde amitié. C'est l'un des points les plus oubliés de l'extraordinaire carrière de Jean Monnet. Il fut un banquier américain. Cela n'a rien de répréhensible, mais l'homme a, dès le départ, agi pour placer l'Europe dans la sphère américaine, tout en proclamant sans cesse son indépendance. C'est cela aussi le spectacle politique. Dans Circus Politicus, pages 154-155. Dans un article du 19 septembre 2000, publié dans le Daily Telegraph, le journaliste Ambrose Evans Pritchard écrit: Des fédéralistes européens financés par des chefs de l'espionnage américain. Des documents déclassifiés du gouvernement américain montrent que la communauté du renseignement des États-Unis a mené une campagne dans les années 50 et 60 pour favoriser l'unification de l'Europe. Celle-ci finança et dirigea le mouvement fédéraliste européen. Les documents confirment des soupçons émis à l'époque. En coulisses, l'Amérique travaillait avec acharnement à pousser la Grande-Bretagne à s'intégrer à un État européen. Un mémorandum daté du 26 juillet 1950 donne des instructions pour une campagne visant à promouvoir un véritable Parlement européen. Il est signé par le général William G. Donovan, chef du Bureau américain des services stratégiques en temps de guerre, OSS, l'ancêtre de la CIA. Certains de ces documents, découverts par Joshua Paul, chercheur à l'université de Georgetown à Washington, avaient été mis à disposition par les archives nationales américaines. Le principal levier de Washington sur l'ordre du jour européen était le Comité américain pour une Europe unie, AQ, American Committee on United Europe, créé en 1948. Donovan, qui se présentait alors comme un avocat en droit privé, en était le président. Le vice-président, Alan Dulles, était le directeur de la CIA pendant les années 50. Le comité comptait parmi ses membres Walter Bedell Smith, le premier directeur de la CIA, ainsi que d'anciennes personnalités et des responsables de l'OSS, qui travaillaient par intermittence pour la CIA. Les documents montrent que l'AQ a financé le mouvement européen, l'organisation fédéraliste la plus importante d'après-guerre. En 1958, par exemple, l'AQ a assuré 53,5% du financement du mouvement. Et plus loin, les dirigeants du mouvement européen, Rettinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut tenu secret. L'argent de l'AQ provenait des fondations Ford et Rockefeller, ainsi que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Paul Hoffman, directeur de la fondation Ford et ex-officier de l'OSS, fut également à la tête de l'AQ à la fin des années 50. Le département d'État y jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe, datée du 11 juin 1965, conseillait au vice-président de la Communauté économique européenne, la CE, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. Elle recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions serait devenue
pratiquement inévitable. Et voici le document d'origine, déclassifié en l'an 2000. Département d'État, mémorandum de conversation, date 11 juin 1965. Sujet, développement dans le marché commun. Participants, Thomas Mann, sous-secrétaire d'État aux affaires économiques, Robert Marjolin, vice-président de la CE, John Schätzel, adjoint au secrétaire d'État, Dean Hunton, bureau des affaires européennes, section des affaires politiques et militaires atlantiques, Andrew Ensor, bureau des affaires économiques, section des ressources internationales, division des carburants et de l'énergie, Stephen Schott, assistant. Et à la page du document, Monsieur Mann pose la question de l'union monétaire dans le marché commun. Monsieur Marjolin déclare qu'on l'envisageait, mais il fait remarquer qu'une fois que la communauté aura une politique agricole commune, les six formeront une union monétaire à des fins pratiques. Monsieur Mann fait observer que bien sûr ces politiques ainsi que l'harmonisation fiscale contribueront à ce développement. Monsieur Marjolin fait référence à l'unité de compte qui sera utilisée dans les prix agricoles et qui maintiendra la stabilité des prix dans les États de la communauté, même si l'un d'eux vient à dévaluer. C'est pourquoi la question est de savoir s'il doit y avoir des propositions monétaires maintenant ou si l'on doit attendre jusqu'à ce que les autres politiques entrent en vigueur. Il dit craindre qu'il n'y ait des résistances aux propositions monétaires à présent. C'est pourquoi il lui apparaît préférable d'attendre que l'adoption de ces propositions devienne pratiquement inéluctable. Monsieur Schätzel évoque un document qui avait été émis par le Centre de Bologne, dont la thèse était que l'union monétaire arriverait dans le droit fil de la dynamique inhérente au traité de Rome. De ce fait, en accord avec ce qui semble avoir été la politique des rédacteurs du traité de Rome, ces décisions pourraient être reportées jusqu'à ce qu'elles soient devenues inévitables. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris, ce document de 1965 parle bien d'une union monétaire entre les pays de l'Europe, c'est-à-dire de créer l'euro. Lors de la campagne présidentielle de 2017, François Asselineau a cité au journal télévisé de TF1 le magazine Historia de 2003. Celui-ci contient un article de Rémi Kaufer qui écrit: La CIA finance la construction européenne. Enquête exclusive. De 1949 à 1959, en pleine guerre froide, les Américains, par l'intermédiaire de leur service secret et du Comité pour l'Europe unie, verse l'équivalent de 50 millions de dollars actuels à tous les mouvements pro-européens, parmi lesquels ceux du Britannique Winston Churchill et du Français Henri Freinet. Leur but, contenir la poussée soviétique. Cet article, La CIA finance la construction européenne, de Rémi Kaufer, précise ensuite: Mais 1954 verra surtout cet échec cuisant des européanistes, l'enterrement définitif de la CED. Découragé, Freinet abandonne alors la présidence de l'Union européenne des fédéralistes. À partir d'octobre 1955, les amis américains reportent donc leurs espoirs sur un nouveau venu, le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, de Jean Monnet. Lié à Donovan et surtout à l'ambassadeur américain à Paris, David Bruce, un proche de Frank Wisner, Monnet est trop fin connaisseur du monde anglo-saxon pour accepter directement les dollars de la CIA. Compte tenu de sa prudence de Sioux, l'aide américaine à son courant européaniste devra emprunter d'autres voies. En 1956, Monnet se voit ainsi proposer l'équivalent de 150 000 euros par la Fondation Ford, une offre qu'il décline, préférant que cet argent soit versé au professeur Henri Rieben, un économiste et universitaire suisse pro-européen qui vient d'être nommé chargé de mission aux hautes études commerciales de Lausanne. Rieben utilisa ses fonds en toute transparence financière pour créer un centre de recherche européen. En 1958, le retour du général de Gaulle, radicalement hostile aux thèses fédéralistes, annihile les derniers espoirs de l'UEF
et de ses amis américains. Dissolution de l'AQ dès mai 1960, puis cessation des financements occultes par la CIA s'ensuivent. En 12 ans, la compagnie aura quand même versé aux européanistes de toute tendance l'équivalent de 50 millions d'euros sans être jamais prise la main dans le sac. Mais pourra-t-on préserver longtemps le grand secret? Enfin, la ville d'Aix-la-Chapelle décerne chaque année, depuis 1949, le prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle, le International Karlspreis zu Aachen, à des personnalités remarquables qui se sont engagées pour l'unification européenne. Ce prix fut remis en 1959 au général George Marshall, secrétaire d'État des États-Unis de 1947 à 1949, fondateur du plan Marshall, secrétaire à la Défense de 1950 à 1951, qui fit la guerre de Corée, et prix Nobel de la paix en 1953. Puis, en 1987, un Henry Kissinger, né juif allemand naturalisé américain, qui fut secrétaire d'État des USA de 1973 à 1977, et qui reçut lui aussi le prix Nobel de la paix en 1973, pour féliciter les États-Unis d'avoir perdu la guerre du Vietnam. Lol. Enfin, en l'an 2000, c'est le président américain lui-même, Bill Clinton, qui reçut le prix d'européiste de l'année. Théorie suivante. Les légendes urbaines sur les nazis sont très nombreuses et le folklore entourant les SS est même encore aujourd'hui très intrigant. La troisième théorie, l'Europe, une invention des nazis. On ne peut pas faire une bonne vidéo conspi sans parler des nazis. Le 7 mars 1936, le Führer violera la démilitarisation de la Rhénanie prévue par le traité de Locarno, en y envoyant 30 000 hommes, jusqu'à Trèves, Aix-la-Chapelle et Sarrebruck. À midi, Hitler réunit le Reichstag et y fait un discours de paix, dont voici quelques extraits. La France a répondu aux offres amicales et aux assurances pacifiques que l'Allemagne n'a cessé de lui réitérer par une alliance militaire avec l'Union soviétique qui est exclusivement dirigée contre l'Allemagne et qui constitue une violation du pacte Vrenan en vertu du droit primitif que chaque peuple a de garantir ses frontières et de sauvegarder ses possibilités de défense. Le gouvernement a rétabli à la date de ce jour la pleine et entière souveraineté du Reich sur la zone rhénane démilitarisée. En cette heure historique, alors que, dans les provinces de l'Ouest, les troupes allemandes pénètrent à cette minute même dans leur future garnison du temps de paix, nous nous unissons pour prononcer tous ensemble de serments sacrés. Nous jurons d'abord de ne céder à aucune force, quelle qu'elle soit, qui voudrait nous empêcher de restaurer l'honneur de notre peuple. En second lieu, nous prenons l'engagement de lutter maintenant plus que jamais pour l'établissement d'une entente entre les peuples d'Europe, surtout avec nos voisins occidentaux. Nous n'avons aucune exigence territoriale à formuler en Europe. L'Allemagne ne rompra jamais la paix. Après la signature du traité de Versailles en 1919, je me suis proposé de résoudre une fois cette question. Non pas que je veuille faire du mal à la France ou à quelque autre pays, mais parce que disputer de l'importance de cet apport formé que nous sommes de reconnaître que l'émulation européenne est incontestablement à la source des records européens dans les domaines les plus variés de la culture humaine. Aussi, quelque disposés que nous soyons à collaborer à l'activité de ce monde culturel européen, en tant que membres libres et égaux, au destin de cette communauté, autant nous sommes acharnés et résolus à rester ce que nous sommes. Pendant ces 3 années, je me suis constamment efforcé, hélas trop souvent en vain, de trouver une liste d'ententes avec le peuple français. Pourquoi ne serait-il pas possible de mettre fin à l'inutile lutte séculaire qui n'a apporté, ne pouvait apporter et n'apportera à aucun des deux une décision définitive
Et pourquoi ne pas remplacer ce conflit par des écarts s'inspirant d'une raison supérieure? Le peuple allemand n'est pas intéressé à ce que le peuple français souffre. Et inversement, quel avantage y aurait-il pour la France à ce que l'Allemagne tombe dans le désastre? L'humanité, et en particulier les peuples européens, auraient évité bien des problèmes lorsque l'espace vital et la coopération économique en Europe ont été façonnés politiquement s'ils avaient respecté les conditions de vie naturelles et évidentes. Les peuples d'Europe représentent une seule famille dans le monde. Il n'est pas très intelligent d'imaginer que dans un espace aussi étroit que celui de l'Europe, une communauté de peuples puisse longtemps maintenir des systèmes de lois reposant sur des conceptions différentes. Adolf Hitler, discours au Reichstag, le 7 mars 1936. Pour mettre en place ce projet, du 3 au 9 mai 1938, Hitler rencontre Mussolini pour fonder la nouvelle Europe, Das Neue Europa. Dans ce but, le juriste allemand Walter Hallstein les accompagne. Un journal italien d'époque parle de cette réunion dans un article intitulé « Les relazioni giudicate italo-tedesche, les risoluzioni adottate », c'est-à-dire « Les relations juridiques italo-germaniques, les résolutions adoptées ». Penseur sauvage en a fait une traduction dans une courte vidéo de 2h20. Le ministre nazi et lui aussi juriste allemand Hans Frank, qui a été condamné à Nuremberg, fait dans cet article ce résumé de ses travaux italo-tudesques. La conclusion de votre travail peut être considérée comme, peut-être, une admirable synthèse des concepts et du système qui interpénètre nos deux nations. Le problème du concept de propriété dans sa valeur sociale est peut-être le problème le plus important de la révolution fasciste et national-socialiste, car il survit dans sa situation qui est dans le lien indissoluble entre la propriété privée et sa fonction sociale sanctionnée par la loi. La seule possibilité de faire face à l'avenir à la crise sociale qui, dans une forme aussi sombre, a menacé de faire s'effondrer nos civilisations, et d'y faire face au travers d'une fraternité, d'une camaraderie fraternelle des hommes, d'une œuvre, d'une valeur nationale. Puis, c'est au ministre italien de la Justice, Arrigo Solmi, de dire quant à lui, et en l'honneur à son éminence Franck, qui a adressé ses salutations à notre glorieux roi empereur, j'adresse mes pensées révérencieuses à Adolf Hitler, chancelier et fureur de la grande Allemagne rénovée et renouvelée par l'esprit élevé et puissant du national-socialisme. Le droit est véritablement l'expression la plus haute, la plus vivante, la plus efficace de cette civilisation. Il aide à réaliser les idéaux, à garantir la prospérité, à réguler la distribution des biens, par la mise en forme et le perfectionnement du droit. Nous œuvrons pour la mise en forme et le perfectionnement des formes civiles. Votre œuvre est pour cette raison hautement méritoire et je vous remercie à nouveau pour la contribution que vous avez fournie à ce haut travail. Je vais ensuite souligner que dans la troisième partie de l'article, intitulée « I testi delle risoluzioni », les textes des résolutions, Walter Hallstein y est explicitement nommé. Premier thème, conditions juridiques de la personne morale étrangère, c'est-à-dire les entreprises étrangères. Porte-parole italien, professeur Angeloni, professeur Perassi, porte-parole allemand, professeur Hallstein, professeur Clausing. Résolution. Les changements fondamentaux de la réalité politique, culturelle, économique, sociale exigent la révision des politiques concernant le statut juridique des entités collectives étrangères. Cette exigence ne tend pas à créer des obstacles à l'élaboration de normes de relations commerciales et de formes internationales et assure la promotion de la situation juridique des personnes morales étrangères. Conformément au principe du droit international, chaque État réglemente l'octroi
de leur propre nationalité aux personnes morales. Les capacités et le bon fonctionnement des personnes morales étrangères sont régis par leur législation nationale, sous réserve de l'application des lois territoriales lorsque l'entité étrangère exerce ses activités dans le territoire de l'État. Indépendamment du principe mentionné ci-dessus, le traitement des personnes morales étrangères, en ce qui concerne l'exercice des droits économiques, dépend pour chaque État des exigences politico-économico-sociales. Même si la fiche Wikipédia de Walter Hallstein en français précise qu'il n'était pas membre du Parti national-socialiste, ni du Sturmabteilung, il était en revanche, à l'instar de beaucoup d'autres juristes, membre de diverses organisations professionnelles prises en main par le régime nazi, telles que l'Association nationale-socialiste des enseignants, l'Association des juristes nationaux-socialistes, l'Association allemande nationale-socialiste des maîtres de conférences, l'Association nationale-socialiste de protection des civils face aux raids aériens. Cette appartenance résulte de la prise de contrôle par le régime nazi des associations professionnelles et civiques lors de la Gleichschaltung. De ce fait, la simple appartenance à une association professionnelle signifiait qu'il était membre d'une association contrôlée par le régime nazi. Mais il est reconnu pour avoir gardé ses distances avec les nazis, dont il rejetait l'idéologie. Même si Wikipédia cherche à disculper Walter Hallstein du nazisme, il est pourtant bien évident à la vue de sa contribution aux travaux de la commission italo-allemande, dont j'ai parlé juste avant, que Walter Hallstein était, pour reprendre les propos de penseurs sauvages, peut-être pas un vrai nazi, mais au moins un bon gros collabo des familles. Cette réunion fut poursuivie par une autre réunion en Allemagne. Cette collaboration italo-allemande fut développée sous la forme d'une nouvelle Europe, Das Neue Europa, et après la défaite française et la prise de pouvoir par Pétain, elle sera présentée dans l'exposition La France européenne. Je m'assois parce que mes propos peuvent être déstabilisants. Je confirme! Parti national-socialiste des travailleurs allemands, province de Vienne, bureau de la propagande, bureau de la presse. Dans le dernier épisode de l'hebdomadaire Le Reich, le ministre du Reich, le docteur Goebbels, a publié l'essai suivant, La Nouvelle Europe. L'action, feuille de combat pour la Nouvelle Europe, brochure éclair italienne. Préface du ministre du Reich, Dr. Goebbels. Contribution du ministre Bottaille, Rome. Ministre Farinacci, Rome. Ministre du Reich, Dr. Funk. Son Excellence Asquini, Rome. Son Excellence Aietti, Florence. Envoyé spécial Deitz, Berlin. Lieutenant Soldan, Docteur Anseldo, Livourne, Felice Gradiani, Rome, Corrado Alvaro, Herbert von Borch, troisième année, décembre 1941, janvier 1942. La zone ouest, avec le mur occidental et la ligne Maginot, la Nouvelle Europe, avec les bases navales et aériennes les plus importantes des puissances majeures non allemandes, et une carte secondaire, le Proche-Orient comme zone de combat économique. La Nouvelle Europe, avec les bases navales et aériennes les plus importantes des puissances non allemandes. Le programme des plutocrates britanniques, de leurs alliés américains et des instigateurs juifs. Tous ces plans ont échoué. Chaque nouvelle tentative d'attaque finit avec une nouvelle défaite pour nos adversaires. La Nouvelle Europe est imbattable. La Nouvelle Europe en progrès, depuis le 1er septembre 1941, après 2 ans. Le mouvement, pré-unitaire 30 pfennig, centimes. Munich, 16 mai 1942, 10e année. La jeune Europe se réveille. Du Führer, la Nouvelle Europe. L'Europe des ethnies, telle qu'elle figurait sur les carnets ébauchés par le clan non pan-germaniste de la Waffen-SS, qui devenait majoritaire en 1945. Dans l'esprit de cette organisation, chaque province
après le retour de tous les Juifs en Palestine ou ailleurs, recevait son autonomie culturelle totale et restait dépendante de la Fédération pour l'économie, la politique étrangère et la défense. À l'échelon supérieur, composé exclusivement d'hommes qui avaient acquis leur mérite dans les combats de la Seconde Guerre mondiale, et nés dans chaque province dont ils prenaient la responsabilité, les pouvoirs de décision et d'orientation dépendaient de la SS, puissance fédératrice et responsable du devenir du continent dont le siège central devait se situer à Vienne ou à Prague. L'espace de l'Est était considéré comme une colonie en voie de développement jusqu'au détroit de Bering. Pour la SS, il s'agissait de passer de la notion ethnie à la notion race, par une politique génétique visant à développer ce qu'elle considérait comme race supérieure, nordique, germanique, celtique, alpine, etc. La vie nouvelle, visiter la deuxième exposition de la France européenne au Grand Palais. À gauche, hier, avec l'Europe cloisonnée par des frontières, et à droite, demain, avec la nouvelle Europe et ses transports transeuropéens. Par leur nombre, leur rapidité, leur confort, les transports de l'Europe nouvelle seront de véritables traits d'union entre les peuples européens. Fête commémorative du 12e centenaire. Charlemagne, empereur d'Occident, roi des Francs. 742-1942, Saint-Denis. Statue de Charlemagne érigée dans la basilique par Napoléon Ier. Aix-la-Chapelle, tombeau de Charlemagne dans la cathédrale millénaire. L'Empire européen de Charlemagne. 12 siècles avant que ne s'esquisse aujourd'hui la communauté européenne, Charlemagne avait réuni sous son sceptre les principaux pays d'Europe. Son empire n'était ni allemand ni français, il était européen. Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne était détruit, et durant près de 1000 ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. Notre mère, l'Europe, Pâques 1942. Une sensationnelle illustration de l'ordre nouveau, l'exposition de la France européenne, a été inaugurée en présence du général von Stulpnagel et du consul général Kiering par l'ambassadeur Fernand de Brinon. La vie nouvelle. C'est sous ce signe que s'ouvrira la seconde exposition de la France européenne. La France sera européenne ou ne sera pas, a récemment déclaré le professeur Friedrich Grimm au cours de sa dernière conférence organisée précisément dans le cadre de l'exposition de la France européenne au Grand Palais. Cet avertissement amical de celui qui fut et qui reste l'éminent apôtre du rapprochement franco-allemand doit être retenu, comme doivent être encouragés tous les efforts de ceux qui se sont donnés pour tâche d'ouvrir les yeux de nos compatriotes sur les réalités futures engendrées par l'intégration de la nouvelle France dans l'Europe nouvelle. Et parmi ces efforts dignes d'intérêt, il faut placer ceux de M. Jacques de Lédin, qui a réussi à transformer l'immense et sévère vaisseau du Grand Palais en un véritable centre de culture européenne. France européenne, nous lui devrons bientôt de voir s'ouvrir au Grand Palais une seconde manifestation du grand cycle de culture sociale qui se déroulera sous le vocable de la France européenne. Ainsi, nos contemporains ne pourront pas se plaindre d'avoir ignoré toutes les possibilités qui leur sont offertes dans l'établissement de l'Europe nouvelle. Ils en auront été instruits par ces magnifiques expositions. Et c'est en pleine connaissance de cause qu'il leur est ainsi donné de contribuer eux-mêmes, individuellement et collectivement, à la construction de la France de demain, dont nous rêvons tous. Jean Terrail. Suite, page 3. Paris soir. Vers l'ordre nouveau.
1941 sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe, a déclaré le Führer. L'Europe en marche contre le bolchevisme. Voilà pourquoi dans ce gigantesque conflit, ils avaient entendu le message d'Adolf Hitler qui le 30 janvier 1942 avait déclaré, je cite, « La prière de ces suppôts du diable qui veulent châtier l'Europe par le bolchevisme ne sera pas entendue, mais une autre prière sera exaucée. Seigneur, donne-nous la force de garder la liberté à notre peuple, à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et non seulement à notre peuple, mais aussi aux autres peuples d'Europe. Car ce n'est pas une guerre que nous soutenons cette fois pour notre seul peuple allemand. C'est une lutte pour toute l'Europe et par là, pour toute l'humanité civilisée. » Voilà pourquoi il parlait toujours de lutte, non pas pour l'Allemagne, mais pour l'Europe. Sous l'occupation, certains partisans de la collaboration la plus franche avec l'Allemagne avaient créé un journal intitulé Le Lien. Cette cloche de Pennsylvanie est-elle la même cloche que les nazis ont probablement envoyée dans le futur? Cette cloche a-t-elle réellement existé? Eh bien, ce n'est que le début d'une grande liste de questions qu'on va se poser lors de cet épisode. Après sa collaboration à l'Alliance Italo-Germanique de 1938, Walter Hallstein, au cours de la Seconde Guerre mondiale, fut mobilisé dans l'armée allemande du Reich comme lieutenant en 1942. Il fut arrêté le 16 juin 1944 à Cherbourg en Normandie par l'armée américaine et fut prisonnier de guerre. Transféré aux USA, il participa au projet Sunflower, où il apprit les principes de la Constitution américaine. Libéré en novembre 1945, il fut professeur de droit à l'université de Francfort de 1946 à 1948, puis à l'université de Georgetown à Washington aux USA, de 1948 à 1949. En 1950, Walter Hallstein fut nommé à la tête de la délégation allemande pour négocier avec Jean Moulin. Non, false flag. Pour négocier avec Jean Monnet et Robert Schuman le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. En 1951, Walter Hallstein fut nommé l'équivalent de ministre des Affaires étrangères de la RFA. Walter Hallstein négocia le traité de la Communauté européenne de défense, la CED, en 1952. Face au rejet de la CED par De Gaulle en 1954, Walter Hallstein négocia l'adhésion de la RFA à l'OTAN en 1955. En 1955, Walter Hallstein négocia la réannexion de la Sarre à la RFA, qui fut jusqu'en 1957 un territoire français. En 1957, Walter Hallstein négocia le traité de Rome, qui fonda la Communauté économique européenne, et il devint le premier président de la Communauté européenne de 1958 à 1967. Évidemment, je dois présenter une autre théorie à la place, c'est ça, hein? Ça aurait été trop facile. La quatrième théorie, l'Union européenne a été fondée par le mouvement de la Pan-Europe, fondé par le comte autrichien Richard Codenhove-Kalergi dans l'entre-deux-guerres. Il fonda le mouvement pan-européen, voulant unir tous les pays d'Europe en 1922, et publie le livre intitulé « Pan-Europe » en 1923. En 1935, il publiera « Europa erwacht, Europe réveille-toi ». Il prendra comme symbole un drapeau bleu avec un soleil jaune et une croix rouge, dont il explique ainsi le symbolisme. La croix rouge des croisades du Moyen-Âge est le symbole le plus ancien de l'Union européenne supranationale. Aujourd'hui, elle est l'emblème de l'humanisme international. Le soleil figure l'esprit européen, dont le rayonnement éclaire le monde entier. Et ce drapeau a été entouré par la couronne des 12 étoiles de la Sainte Vierge de l'Apocalypse du Conseil de l'Europe dans les années 1980. En 1923, Richard Codenhove-Kalergi proposa la création d'un hymne national européen sur la musique de l'Ode à la joie de Beethoven. Après l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par le Troisième Reich en 1938,
Richard Kodenov-Kalergi fuit en Suisse, puis en France, dont il obtient la nationalité en 1939. Puis il part aux États-Unis, où il devient professeur à l'université de New York. Le 18 mai 1950, il sera le premier lauréat du prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle, le Carl's Prize. Le comte Richard Kodenov-Kalergi a écrit entre autres dans ses livres: L'Europe, dans son morcellement politique et économique, peut-elle assurer sa paix et son indépendance face aux puissances mondiales extra-européennes qui sont en pleine croissance? Ou bien sera-t-elle contrainte, pour sauver son existence, de s'organiser en fédération d'États? L'Europe, qui a presque totalement perdu sa confiance en soi, attend une aide de l'extérieur, les uns de la Russie, c'est-à-dire l'URSS, et les autres de l'Amérique, c'est-à-dire les USA. Ces deux espérances constituent un danger de mort pour l'Europe. Ni l'Ouest, ni l'Est ne veulent sauver l'Europe. La Russie veut la conquérir, l'Amérique veut l'acheter. Pan-Europe, page 251, citée par Marion Gaillard dans France-Europe, politique européenne de la France de 1950 à nos jours. Page 20. Le comte Richard Kodenov-Kalergi, qui était un métis eurasien, c'est-à-dire autrichien par son père et japonais par sa mère, écrira dans son livre Idéalisme pratique que l'humanité deviendra une masse métissée d'individualistes obscènes, gouvernée par eugénisme social, par une élite oligarchique où la richesse épousera la beauté. Il écrit ainsi à la page 18 de son livre: L'humain du lointain futur sera un métis. Les races et les castes d'aujourd'hui seront victimes du dépassement toujours plus grand de l'espace, du temps et des préjugés. La race du futur, négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité des personnalités. Et il conclut dans le résumé de ce livre, page 46-47, L'humain noble du futur ne sera ni féodal, ni juif, ni bourgeois, ni prolétaire. Il sera synthétique. Les races et les classes, dans le sens d'aujourd'hui, disparaîtront. Les personnalités demeureront. Ce n'est qu'à travers l'alliance avec le meilleur sang bourgeois que les éléments les plus capables de développement de la noblesse féodale d'antan s'élèveront vers une nouvelle apogée. Ce n'est qu'à travers l'union avec les sommets de l'européanité non juive que l'élément juif de la noblesse du futur parviendra à son plein épanouissement. La noblesse rustique, hautement élevée physiquement, pourrait offrir aux humains élus du futur un corps et des gestes accomplis. Une noblesse urbaine hautement formée spirituellement pourrait leur offrir une physionomie spiritualisée, des yeux et des mains dotés d'armes. La noblesse du passé était construite sur la quantité, la noblesse féodale sur le nombre d'ancêtres, la noblesse plutocrate sur le nombre de millions. La noblesse du futur reposera sur la qualité, sur la valeur personnelle, la perfection personnelle, sur l'accomplissement du corps, de l'âme, de l'esprit. Aujourd'hui, au seuil d'un nouvel âge, la noblesse du hasard s'est substituée à la noblesse d'héritage d'autrefois. Au lieu de races, de nobles, des individus nobles, des humains dont la composition hasardeuse du sang les élève au rang de modèle type. De cette noblesse du hasard d'aujourd'hui sortira la nouvelle race noble internationale et intersociale de demain. Toutes les personnes éminentes en beauté, en force, en énergie et en esprit se reconnaîtront et s'attacheront d'après les lois secrètes de l'attraction érotique. Que tombent d'abord les limites artificielles érigées entre les humains par le féodalisme et le capitalisme, ensuite les femmes les plus belles reviendront automatiquement aux hommes les plus significatifs, les hommes les plus accomplis aux femmes les plus éminentes. Plus un homme sera ensuite parfait par le physique, le psychique et le spirituel, plus le nombre de femmes parmi lesquelles il pourra choisir sera grand. Seule sera libre l'alliance des hommes les plus nobles avec les femmes les plus nobles. Et inversement, les personnes de valeur moindre devront se satisfaire de personnes de valeur moindre. Ainsi, le mode d'existence érotique des personnes de valeur moindre et médiocre sera l'amour libre, celui des élus,
le mariage libre. La nouvelle noblesse de reproduction du futur n'émergera donc pas des normes artificielles de la culture de caste humaine, mais plutôt des lois divines de l'eugénisme érotique. Le classement naturel de la perfection humaine remplacera le classement artificiel du féodalisme et du capitalisme. Le socialisme, qui a commencé par l'abolition de la noblesse et par le nivellement de l'humanité, culminera par la production de la noblesse dans la différenciation de l'humanité. C'est ici, dans l'eugénisme social, que réside sa plus haute mission historique, qu'il ne reconnaît pas encore aujourd'hui. Mener d'une injustice inégalité, en passant par l'égalité, vers une inégalité juste. En passant par les décombres de toute pseudo-aristocratie, vers une véritable nouvelle noblesse. Donc c'est page 46-47. Et donc vous voyez bien qu'il s'agit bien d'une oligarchie, d'être dirigé par une oligarchie, ça fait plaisir. Voyons comment la dernière théorie va détruire ce dernier argument, au risque de choquer. La cinquième théorie, l'Union européenne a été fondée par le discours de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe le 21 août 1849 à l'occasion du Congrès international de la paix à Paris, c'est-à-dire entre la défaite de Napoléon Ier et le coup d'État de Napoléon III. Discours d'ouverture du Congrès de la paix le 21 août 1849. Monsieur Victor Hugo se lève et dit: Messieurs, beaucoup d'entre vous viennent des points du globe les plus éloignés, le cœur plein d'une pensée religieuse et sainte. Vous comptez dans vos rangs des publicistes, des philosophes, des ministres des cultes chrétiens, des écrivains éminents, plusieurs de ces hommes considérables, de ces hommes publics et populaires qui sont les lumières de leur nation. Vous avez voulu dater de Paris les déclarations de cette réunion d'esprits convaincus et graves, qui ne veulent pas seulement le bien d'un peuple, mais qui veulent le bien de tous les peuples. Vous venez ajouter aux principes qui dirigent aujourd'hui les hommes d'État, les gouvernants, les législateurs, un principe supérieur. Vous venez tourner en quelque sorte le dernier et le plus auguste feuillet de l'Évangile, celui qui impose la paix aux enfants du même Dieu. Et dans cette ville, qui n'a encore décrété que la fraternité des citoyens, vous venez proclamer la fraternité des hommes. Soyez les bienvenus. En présence d'une telle pensée et d'un tel acte, il ne peut y avoir place pour un remerciement personnel. Permettez-moi donc, dans les premières paroles que je prononce devant vous, d'élever mes regards plus haut que moi-même, et d'oublier en quelque sorte le grand honneur que vous venez de me conférer, pour ne songer qu'à la grande chose que vous voulez faire. Messieurs, cette pensée religieuse, la paix universelle, toutes les nations liées entre elles d'un lien commun, l'Évangile pour loi suprême, la médiation substituée à la guerre, cette pensée religieuse est-elle une pensée pratique? Cette idée sainte est-elle une idée réalisable? Beaucoup d'esprits positifs, comme on parle aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques vieillis, comme on dit, dont le maniement des affaires répondent non. Mais je réponds avec vous, je réponds sans hésiter, je réponds oui, et je vais essayer de le prouver tout à l'heure. Je vais plus loin, je ne dis pas seulement c'est un but réalisable, je dis, c'est un but inévitable. On peut en retarder ou en hâter l'avènement, voilà tout. La loi du monde n'est pas et ne peut pas être distincte de la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. Les hommes ont commencé par la lutte, comme la création par le chaos. D'où viennent-ils? De la guerre, cela est évident, mais où vont-ils? À la paix, cela n'est pas moins évident. Quand vous affirmez ces hautes vérités, il est tout simple
que votre affirmation rencontre la négation. Il est tout simple que votre foi rencontre l'incrédulité. Il est tout simple que dans cette heure de nos troubles et de nos déchirements, l'idée de la paix universelle surprenne et choque presque comme l'apparition de l'impossible et de l'idéal. Il est tout simple que l'on crie à l'utopie. Et quant à moi, humble et obscur ouvrier de cette grande œuvre du XIXe siècle, j'accepte cette résistance des esprits, sans qu'elle m'étonne ni ne me décourage. Est-il possible que vous ne fassiez pas détourner les têtes et fermer les yeux dans une sorte d'éblouissement quand au milieu des ténèbres qui pèsent encore sur nous, vous ouvrez brusquement la porte rayonnante de l'avenir? Messieurs, si quelqu'un, il y a 4 siècles, à l'époque où la guerre existait de commune à commune, de ville à ville, de province à province, si quelqu'un eût dit à la Lorraine, à la Picardie, à la Normandie, à la Bretagne, à l'Auvergne, à la Provence, au Dauphiné, à la Bourgogne, un jour viendra où vous ne ferez plus la guerre, un jour viendra où vous ne le verrez plus d'hommes d'armes les uns contre les autres. Un jour viendra où l'on ne dira plus « Les Normands ont attaqué les Picards, les Lorrains ont repoussé les Bourguignons. » Vous aurez bien encore des différends à régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre. Mais savez-vous ce que vous mettrez à la place des hommes d'armes? Savez-vous ce que vous mettrez à la place des gens de pied et de cheval? Des canons, des fauconneux, des lances, des piques, des épées. Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez l'urne du scrutin. Et de cette boîte, il sortira quoi? Une assemblée en laquelle vous vous sentirez tous vivre. Une assemblée qui sera comme votre âme à tous. Un concile souverain et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui fera tomber le glaive de toutes les mains et surgir la justice dans tous les cœurs, qui dira à chacun « Là, finis ton droit, ici commence ton devoir, bas les armes, vivez en paix. » Et ce jour-là, vous vous sentirez une pensée commune, des intérêts communs, une destinée commune, vous vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils du même sang et de la même race. Ce jour-là, vous ne serez plus des peuplades ennemies, vous serez un peuple, vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, la Provence, vous serez la France. Vous ne vous appellerez plus la guerre, vous vous appellerez la civilisation. Si quelqu'un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes positifs, tous les gens sérieux, tous les grands politiques d'alors se fussent écriés « Oh le songeur, oh le rêve creux !» Comme cet homme connaît peu l'humanité, que voilà une étrange folie et une absurde chimère. Messieurs, le temps a marché et cette chimère, c'est la réalité. Et j'insiste sur ceci, l'homme qui eût fait cette prophétie sublime eût été déclaré fou par les sages pour avoir entrevu les desseins de Dieu. Eh bien, vous dites aujourd'hui, et je suis de ceux qui disent avec vous, tous, nous qui sommes ici, nous disons à la France, à l'Angleterre, à la Prusse, à l'Autriche, à l'Espagne, à l'Italie, à la Russie, nous leur disons, un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité,
Vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace et toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain, qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées, comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur, et combinant ensemble, pour en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. Et ce jour-là, il ne faudra pas 400 ans pour l'amener, car nous vivons dans un temps rapide, nous vivons dans le courant d'événements et d'idées, le plus impétueux qui ait encore entraîné les peuples, et à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, qu'avons-nous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour? Nous aimer. Nous aimer dans cette œuvre immense de la pacification, c'est la meilleure manière d'aider Dieu. Car Dieu le veut. Ce but sublime est voyé pour y atteindre ce qu'il fait de toutes parts. Voyez que de découvertes il fait sortir du génie humain, qui toutes vont à ce but, la paix. Que de progrès, que de simplification, comme la nature se laisse de plus en plus dompter par l'homme, comme la matière devient de plus en plus l'esclave de l'intelligence et la servante de la civilisation, comme les causes de guerre s'évanouissent avec les causes de souffrance, comme les peuples lointains se touchent, comme les distances se rapprochent, et le rapprochement, c'est le commencement de la fraternité. Grâce au chemin de fer, l'Europe bientôt ne sera pas plus grande que ne l'était la France au Moyen-Âge. Grâce aux navires à vapeur, on traverse aujourd'hui l'océan plus aisément qu'on ne traversait autrefois la Méditerranée. Avant peu, l'homme parcourra la terre comme les dieux d'Homère parcouraient le ciel en trois pas. Encore quelques années, et le fil électrique de la Concorde entourera le globe et étreindra le monde. Ici, messieurs, quand j'approfondis ce vaste ensemble, ce vaste concours d'efforts et d'événements, tous marqués du doigt de Dieu, quand je songe à ce but magnifique, le bien-être des hommes, la paix, quand je considère ce que la Providence fait pour et ce que la politique fait contre, une réflexion douloureuse s'offre à mon esprit. Il résulte des statistiques et des budgets comparés que les nations européennes dépensent tous les ans pour l'entretien de leurs armées, une somme qui n'est pas moindre de 2 milliards. Et qui, si l'on y ajoute l'entretien du matériel des établissements de guerre, s'élève à 3 milliards. Ajoutez-y encore le produit perdu des journées de travail de plus de 2 millions d'hommes, les plus sains, les plus vigoureux, les plus jeunes, l'élite des populations, produit que vous ne pouvez pas évaluer à moins d'un milliard. Et vous arrivez à ceci, que les armées permanentes coûte annuellement à l'Europe
4 milliards. Messieurs, la paix vient de durer 32 ans. Et en 32 ans, la somme monstrueuse de ces 128 milliards a été dépensée pendant la paix pour la guerre. Supposez que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns les autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés. Supposez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français, ou anglais, ou allemand, on est homme, et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille. Et maintenant, cette somme de 128 milliards, si follement et si vainement dépensée par la défiance, faites-la dépenser par la confiance. Ces 128 milliards donnés à la haine, donnez-les à l'harmonie. Ces 128 milliards donnés à la guerre, donnez-les à la paix. Donnez-les au travail, à l'intelligence, à l'industrie, au commerce, à la navigation, à l'agriculture, aux sciences, aux arts, et représentez-vous le résultat. Si, depuis 32 ans, cette gigantesque somme de 128 milliards avait été dépensée de cette façon, l'Amérique, de son côté, aidant l'Europe, savez-vous ce qui serait arrivé? La face du monde serait changée. Les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les deux continents. La marine marchande du globe aurait centuplé, et il n'y aurait plus nulle part ni land, ni jachère, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation. L'Afrique serait rendue à l'homme. La richesse jaillirait de toutes parts, de toutes les veines du globe, sous le travail de tous les hommes, et la misère s'évanouirait. Et savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère? Les révolutions. Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. Voyez, messieurs, dans quel aveuglement la préoccupation de la guerre jette les nations et les gouvernements. Si les 128 milliards qui ont été donnés par l'Europe depuis 32 ans à la guerre qui n'existait pas avaient été donnés à la paix qui existait, disons-le, et disons-le bien haut, on n'aurait rien vu en Europe de ce qu'on y voit en ce moment. Le continent, au lieu d'être un champ de bataille, serait un atelier. Et au lieu de ce spectacle douloureux et terrible, le Piémont abattu, Rome, la ville éternelle, livrée aux oscillations misérables de la politique humaine, la Hongrie et Venise qui se débattent héroïquement, la France inquiète, appauvrie et sombre, la misère, le deuil, la guerre civile, l'obscurité sur l'avenir. Au lieu de ce spectacle sinistre, nous aurions sous les yeux l'espérance, la joie, la bienveillance, l'effort de tous vers le bien-être commun, et nous verrions partout se dégager de la civilisation en travail le majestueux rayonnement de la concorde universelle. Chose digne des méditations, ce sont nos précautions contre la guerre qui ont amené les révolutions. On a tout fait et on a tout dépensé contre le péril imaginaire. On a aggravé ainsi la misère qui était le péril réel. On s'est fortifié contre un danger chimérique. On a vu les guerres qui ne venaient pas. Et l'on n'a pas vu les révolutions qui arrivaient. Messieurs, ne désespérez pas pourtant. Au contraire, espérons plus que jamais. Ne nous laissons pas effrayer par des commotions momentanées, secousses nécessaires peut-être du grand enfantement. Ne soyez pas injustes pour les temps
où nous vivons. Ne voyons pas notre époque autrement qu'elle n'est. C'est une prodigieuse et admirable époque après tout. Le 19e siècle sera, disons-le hautement, la plus grande page de l'histoire. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, tous les progrès s'y révèlent et s'y manifestent à la fois. Les uns amenant les autres, chute des animosités internationales, effacement des frontières sur la carte et des préjugés dans les cœurs, tendance à l'unité, adoucissement des mœurs, élévation du niveau de l'enseignement et abaissement du niveau des pénalités, domination des langues les plus littéraires, c'est-à-dire les plus humaines. Tout se meut en même temps. Économie politique, science, industrie, philosophie, législation, et convergent au même but, la création du bien-être et de la bienveillance. C'est-à-dire, et c'est là, pour ma part, le but auquel je tends toujours, extinction de la misère au-dedans, extinction de la guerre au-dehors. Oui, je le dis en terminant, l'ère des révolutions se ferme, l'ère des améliorations commence. Le perfectionnement des peuples quitte la forme violente pour prendre la forme paisible. Le temps est venu où la providence va substituer à l'action désordonnée des agitateurs l'action religieuse et calme des pacificateurs. Désormais, le but de la politique grande, de la politique vraie, le voici. Faire reconnaître toutes les nationalités, restaurer l'unité historique des peuples et rallier cette unité à la civilisation pour la paix et élargir sans cesse le groupe civilisé. Donner le bon exemple aux peuples encore barbares, substituer les arbitrages aux batailles. Enfin, et ceci résume tout, faire prononcer par la justice le dernier mot que l'ancien monde faisait prononcer par la force. Messieurs, je le dis en terminant, et que cette pensée nous encourage. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le genre humain est en marche dans cette voie providentielle. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas. Et par son exemple séculaire, elle a dit au peuple « Vous êtes libres ». La France a fait le second pas et elle a dit au peuple « Vous êtes souverain ». Maintenant, faisons le troisième pas et tous ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons au peuple « Vous êtes frères ». Voici donc le contenu de ce beau discours de Victor Hugo. Et si ce discours est prophétique, il décrit les États-Unis d'Europe comme un empire blanc et chrétien formant un bloc militaire et commercial atlantiste avec les États-Unis et préfigurant l'OTAN, le CETA et le TAFTA. Un empire blanc et chrétien alliant croisade, colonisation et libéralisme anticommuniste ayant pour but d'étouffer les révolutions, de civiliser les barbares asiatiques et d'humaniser les singes sauvages d'Afrique. C'est ça le beau discours fondateur de l'Union européenne. Lal. Certains d'entre vous sont peut-être choqués de voir tout ça, mais d'autres ne seront absolument pas touchés par ce phénomène. Eh bien vous savez quoi, les théories sont à vous à présent dans les commentaires. Et c'est fini pour cette vidéo spéciale 5 théories sur les origines de l'Union européenne. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut !